Jojo, en français. Des bretzels frais. Et si on en mangeait? Les enfants, et regardez cette machine à limonade. De la mer. De la nourriture, tellement de saveurs. De la nourriture pour toi et moi. Essayons de nouvelles choses. Essaye cette crevette. Prends-en une bouchée. Mâche, mâche. Ça sent comme le poisson. Wow. Hey, hola amigos. On va les goûter. Si, amigos. Et voilà. De la nourriture, tellement de saveurs. De la nourriture pour toi et moi. Essayons de nouvelles choses. Essaye ce taco. Prends-en une bouchée. Mâche, mâche. Attention. C'est bien trop. Chérie, bois ça. Maman, papa, regardez. De la glace. De la nourriture. Tellement de saveurs. De la nourriture pour toi et moi. Essayons de nouvelles choses. Essaye cette glace. Prends-en une bouchée. Miam, miam. Oui, c'est mon coup préféré. Bienvenue à la caserne des pompiers. Dites bonjour à Harvey, la bouche d'incendie. Salut Harvey. Hey les enfants, savez-vous ce qu'il faut faire lorsqu'un incendie se déclare? Non. Eh bien, je vais vous montrer. Lors d'un incendie, voici ce qu'il faut faire. Lors d'un incendie, voici ce qu'il faut faire. Quand il y a un feu, moi je sais ce qu'il faut faire. Oui, je sais très bien ce qu'il faut faire. Quand l'alarme se déclenche, il est temps de partir. C'est une urgence, il faut se dépêcher. Quand tu entends l'alarme, maintenant tu sais. C'est une urgence, il faut que tu te dépêches. Donc maintenant, quand vous entendez une alarme incendie, qu'est-ce que vous devez faire? Lors d'un incendie, voici ce qu'il faut faire. Lors d'un incendie, voici ce qu'il faut faire. Quand il y a un feu, moi je sais ce qu'il faut faire. Oui, je sais très bien ce qu'il faut faire. Vite, il y a un feu, il faut que tu sortes. Quand il y a un feu, il faut que tu sortes. Ne reste pas là et cours dehors. Quand
il y a un feu, il faut que tu ailles dehors. N'oubliez pas, lors d'un incendie, ne restez jamais sur place. Que devez-vous faire? C'est de laisser le partir. Lors d'un incendie, voici ce qu'il faut faire. Lors d'un incendie, voici ce qu'il faut faire. Quand il y a un feu, moi je sais ce qu'il faut faire. Oui, je sais très bien ce qu'il faut faire. Quand il y a beaucoup de fumée, tu dois t'accroupir et puis ramper. Quand il y a beaucoup de fumée, tu dois t'accroupir et puis ramper. Excellent travail, les enfants. Vous avez vraiment compris l'exercice. Lors d'un incendie, voici ce qu'il faut faire. Lors d'un incendie, voici ce qu'il faut faire. Quand il y a un feu, moi je sais ce qu'il faut faire. Oui, je sais très bien ce qu'il faut faire. Ne t'arrête pas et continue. Surtout ne t'arrête pas et continue. Il faut que tu sois en sécurité. Alors ne t'arrête pas et continue d'avancer. Vous êtes des experts comme moi. Lors d'un incendie, voici ce qu'il faut faire. Lors d'un incendie, voici ce qu'il faut faire. Quand il y a un feu, moi je sais ce qu'il faut faire. Oui, je sais très bien ce qu'il faut faire. Bébé Louis, tu as l'ok. Ne t'inquiète pas, chérie. Tout le monde peut avoir l'ok parfois. Tu as l'ok, bébé Louis, mais ça va aller. Oui, tu l'as. Oui, tu l'as. Oui, tu l'as. On va le faire partir. Oh, et si on buvait un grand verre d'eau froide, chérie? Est-ce que ton hockey est parti, bébé Louis? Oh non, l'eau n'a pas marché. Est-ce que tu as le hockey, bébé Louis? Oh, ben on dirait bien que oui. Tu as le hockey, bébé Louis, mais ça va aller. Oui, tu l'as. Oui, tu l'as. Oui, tu l'as. Faire partir. Ok, je crois que la meilleure façon pour enlever ton hockey, c'est de prendre une grande inspiration comme ça. Ok, est-ce que ton hockey est parti? Tu as le hockey, bébé Louis. On peut t'aider. Tu as le hockey, bébé Louis, mais ça va aller. Oui, tu l'as. Oui, tu l'as. Oui, tu l'as. On va le faire partir. Si tu veux te débarrasser du hockey, bébé Louis, il faut te faire peur. Oui, ça va marcher. Oh. Est-ce que ton hockey est parti maintenant, bébé Louis? Tu as le hockey, bébé Louis, mais ça va aller. Oui, tu l'as. Je ne t'ai pas entendu hoqueter, bébé Louis. Moi non plus. Essayons encore. Oui, tu l'as. Ton hockey est parti, bébé Louis. Tu dois être content, bébé Louis. Ton hockey est parti. Non plus de hockey. Non plus de hockey. Non plus de hockey. Maintenant on peut jouer. Tu n'as plus le hockey, bébé Louis. C'est fini. Oui.
Oh. Tu avais le hockey, bébé, tu n'as même pas pleuré. Oh, que tu es brave. Oh, que tu es brave. Oh, que tu es brave. Ton hockey est parti. Chérie. Non. C'est reparti. Ok les enfants, est-ce que ça vous dit d'aller au nouveau magasin de jouets? Vous avez le droit de choisir un jouet chacun. Oui, trop bien. Allons-y. Allons-y, c'est parti pour le magasin de jouets. Mettez vos chaussures, on s'en va en balade. Il faut traverser la rivière et passer la colline. Combien de temps ça va prendre? On est trop excités. Est-ce que c'est encore long? On y arrive bientôt. Hé, regarde, le train. Regardez, regardez, le train va passer. Regardez dans les wagons, ce sont des animaux. Wow, il y a des vaches et des moutons. Regarde, bébé Louis. Oui, et des cochons aussi. Coin, coin. Oui. Oh, regarde, là-bas au-dessus de l'eau, il y a beaucoup de bateaux. Je me demande ce qu'ils font. Wow, regarde ces gros bateaux. Et regarde, il y a des petits aussi. Oui. Allons-y, c'est parti pour le magasin de jouets. Hourra, hourra, on s'en va en balade. Il faut traverser la rivière et passer la colline. Combien de temps on va mettre? On est trop excité. Est-ce que c'est encore long? Oui, nous y sommes bientôt. Oui, bébé Louis, regarde cette colline. Attention, on grimpe la grosse colline. Regardez autour, notre jolie ville. Regardez, c'est ici. Oui. Regarde, des cerfs-volants, ils volent super haut. Waouh, regarde ces jolies couleurs. À gauche, à droite, il y a tant de choses à voir. Mais regardez le magasin de jouets. Ok, bébé Louis, allons voir ce train. L'incendie se propage. Ok, pas de panique les enfants, j'appelle les pompiers. Allô les pompiers, nous avons un feu ici. Il y a un feu dans la forêt, venez nous aider. Ok, on arrive. Allons-y tous les pompiers pour combattre tous les feux. Le camion, la tenue, le casque et allons-y. Deux camions de pompiers.
Restez bien derrière moi, les enfants. Ne vous inquiétez pas, les pompiers arrivent. Ils utilisent leur lance-porte, une tenue de protection. Oh oui, regardez bien, ils vont éteindre le feu. Contrôlez le feu, les amis. Vous êtes en sécurité maintenant. Oui. Merci. Montez sur une échelle pour contrôler un feu. L'eau va éteindre les flammes. Il vit sur le feu. Le feu est éteint, les amis. Souvenez-vous, il faut toujours rester en arrière des feux de camp et éloigner tous les objets qui peuvent être dans le chemin des flammes. Maintenant, vous pouvez profiter du camp en toute sécurité. Nous sommes oui en sécurité. Oh, attendez, nous avons quelque chose pour vous remercier de votre travail. Vous avez gagné un badge parce que vous êtes des héros. Le feu est maintenant éteint et tout le monde va bien. Nous avons d'autres feux à combattre. Soyez prudents. À bientôt, les amis. Tellement de belles couleurs. Quelle est ta couleur préférée? Nous allons faire un jeu avec ta couleur. Bien jaune, vert ou bleu, je vais faire un jeu rien que pour toi. Du vert, bien sûr, du vert pour moi. Du vert, bien sûr, du vert pour moi. Et maintenant, trouve le fruit vert et laisse tous les autres pour moi. Cette pomme est verte. Un bon jus de fruits juste pour toi. Quelle est ta couleur préférée? Laisse-moi te montrer et choisis. Est-ce le rouge, le jaune, le vert ou le bleu? Je peux te faire le jus de fruits que tu veux. Du bleu, bien sûr, du bleu pour moi. Du bleu, bien sûr, du bleu pour moi. Ok, très bien, excellent choix. Laisse-moi le faire pour toi. Ces myrtilles sont bleues. Et un jus de fruits rien que pour toi. Ta couleur préférée, nous allons faire un jeu avec ta couleur. Rouge ou bien jaune, vert ou bleu, je vais faire un jeu rien que pour toi. Du rouge, bien sûr, du rouge pour moi. Du rouge, bien sûr, du rouge pour moi. Et maintenant, trouve le fruit rouge et laisse tous les autres pour moi. Avec ta couleur rouge ou bien jaune.
que pour toi. Le jaune, oui, le jaune pour moi. Le jaune, oui, le jaune pour moi. Et maintenant, trouve le fruit jaune. Maman va s'en occuper. Ces bananes sont jaunes. Nous avons fait un jus rien que pour toi. Quelle est ta couleur préférée? Nous allons faire un jus avec ta couleur. Rouge ou bien jaune, vert ou bleu. Nous allons faire un jus rien que pour toi. Orange, bien sûr, orange pour moi. Orange, bien sûr, orange pour moi. Et maintenant, trouve le fruit orange. Et papa va s'en occuper. Cette orange est orange. Nous avons fait un jus rien que pour toi. Nous avons tous notre jus de fruits.
m'enlève les roulettes. On y est, c'est le grand jour. Tu vas rouler comme un grand. Papa, j'ai peur, je ne vais pas y arriver. J'ai peur de tomber. Ça va aller, concentre-toi. Casque. Ok, ne t'inquiète pas, je te tiens, Léo. Oh, je suis pas sûre, papa. Voilà, c'est ça. Avec ton casque, tu peux le faire. Tout ira très bien. Maman, j'ai peur, je ne vais pas y arriver. Mais là, je roule tout seul. Règle la selle et place tes pieds. Place tes pieds à gauche et à droite. Gauche, droite, on y va. Allons-y, j'y arrive, papa. Je veux rouler tout seul. Léo, regarde. Regarde devant mes camarades. Mais qu'est-ce que je dois faire? Se concentrer, rester calme, et tout ira bien. Gardez l'équilibre et regardez devant. Gauche, droite, sur mon vélo. Allons-y, sur la route, roulons tous ensemble. C'est trop bien. Bravo Léo, tu as réussi, tu sais maintenant faire du vélo. Oh mince! Léo, tu l'as fait, tu l'as fait! Léo, Léo! Mes champions! Bien joué mon garçon! Hee.
Chers.